Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est une vidéo qui date de 2021 que j'ai récupérée sur Facebook. Donc comme vous le voyez, c'est pour ça que d'abord je vous ai mis des photos, après je vous mettrai les vidéos. Et c'est pour ça que vous verrez les vidéos en format debout, je sais plus comment ça s'appelle, au lieu de paysage. Donc désolé pour ceci, c'était en 2021, je débutais seulement. Et donc là je vais vous présenter... je vais vous présenter comment on fait nos papiers, nos feuilles recyclées. C'est tout facile, vous allez voir. Et donc maintenant, je vous laisse en vidéo avec ma fille Cassie qui avait 12 ans sur cette vidéo-là. Bisous! Alors vous prenez la teinte de papier que vous voulez, mais moi il faudra les conserver. Alors vous les coupez. Et vous les coupez en 1000 morceaux. Voilà. Donc vous prenez de l'eau, mais vous la faites bouillir, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous renversez dedans. Pas beaucoup, juste pour que ce... Voilà. Alors, donc là, on va attendre... Attendez, je vais encore mettre. Hop, c'est bon, comme ça. Donc, les balais, on va les laisser un peu... Refroidir. Pendant une heure et demie. Donc voilà, donc au bout de 30 minutes, bah, ça donne ça. Donc c'est encore un peu chaud, mais faites attention. Donc on va plier. Alors, on va faire avec ça. On va poser, on va lâcher tout le temps. En attendant, notre vrai tamis. Donc voilà, la texture. Essayer de prendre le moins de possible. Alors donc on va bien secouer un petit peu pour qu'il n'y a pas beaucoup de particules. Voilà, donc là on met sur un chiffon sec pour qu'il s'égoutte un peu. Et en attendant qu'il s'égoutte un peu, donc bah, on va faire avec ça. Enfin, de base c'est pour les gâteaux, mais au pire ça se lave, c'est pas grave. Donc on fait là. Comme ça vous aurez une feuille carré et une feuille ronde. Donc voilà, donc là on a mis notre chiffon. Et maintenant on va passer. On ne chauffe pas plus fort. Tu mets dedans. Donc voilà, donc après avoir essoré, donc on va enlever par la tête, mais faites attention parce que la feuille est très fragile. Et tadam! Votre petite feuille. Donc bien sûr, il faudra laisser sécher 24 heures. Il faudra laisser sécher 24 heures. Donc voilà le résultat. Bien sûr, je suis en sorte qu'il n'aille pas dessus.